Salut toi, bienvenue dans ce deuxième vlog de nos vacances d'août. Aujourd'hui, on a un joli programme, le Futuroscope. Mais avant ça, il faut bien commencer la journée. On est plus ou moins ready. Manque que quand même le maquillage. Hein. Oh merde, hein. On se maquille un minimum ici. Donc, c'est parti! Et voilà, 5 minutes top chrono. 5 minutes et on a l'air un poil plus réveillé. Les yeux. Ah. Et voilà! 2 trucs suffisent. Et les boutons, bon, on les cache plus à force. On fait avec. Avez-vous déjà vu ou entendu un fauteuil qui soupire? Putain, mais ce bruit, on a l'impression de peser un 36 tonnes, franchement. Voilà, c'était la section bizarre de la maison. Ça y est, on s'en va. Ouais. Direction le Futuroscope. Mais avant ça, une petite transition bubule. Oui, c'était la dernière transition bubule. Et voilà, on se casse. Bon madame, on va où? Où est-ce qu'on va? Oui, mais il n'y a pas assez de hype et de fun. On va où? Dans mon cul. Bon, il paraît qu'on va dans mon cul. Je savais pas que c'était aussi fun, franchement. C'est une attraction. On va au Futuroscope. Je sais pas si vous avez déjà été, mais pour moi, c'est la première fois. Pour elle, c'est la deuxième fois. C'était il y a longtemps, sa première fois. Donc du coup, on a hâte de tester Objectif Mars. Et chasseurs de tornades. C'est parti. Voilà. On arrive au Futuroscope. Et il pleut. Comme on a la poisse. Il pleut. Mais je pense que ça devrait vite passer. Allez, on va donner les petits billets magiques. Et on rentre. Avec la pluie, on s'est réfugié direct dans la boutique du parc. Et regardez sur quoi on est tombé. Ah vas-y, on est là. Ah toi, t'es très souvent à l'ouest. Créative, toujours partante pour l'apéro et sentimentale. Moi, ouais, j'invente des excuses pour ne pas sortir, j'ai un grand cœur, je suis discrète et perfectionniste. Eh ben merde. Allez, on en fait encore quelques-uns. T'as pas de suite dans le lieu de l'heure. J'ai des câlins tout va, courageux. On est pour la faille. Mon frère fait pas de câlins tout va, je le dis tout de suite. Hein. Honnête, mauvais joueur et mystérieux. Cancer. Trop sympa, susceptible, romantique et pleure devant tous les films. Pas du matin, bienveillant, ambitieux et prêt. Pro des to-do list. Mon père était capricorne, mais c'est plus. Taureau, fidèle, têtu, veut qu'on lui foute la paix et manger, c'est la vie. Franchement, ma pote est taureau et c'est totalement ça. Alors, ton signe te correspond? Le truc naze? Ouais, mais ils sont pas aussi mignons que le truc qu'on a vu en. Ah bah voilà, tu vois, je préfère ces couleurs-là. Bah ouais. Bon, je fais la taille d'un enfant, non? Shit. Il y a une machine pour voir. Pour voir son œil, voir son iris, comme ça. C'est où? Alors, je peux pas vous montrer, mais c'est super joli. Voilà, voilà. Là, on est devant le panneau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il pleut et que tout le monde est réfugié? Tu veux faire Sébastien Loeb? 10 minutes. Bah, je regarde les trucs qui sont pas trop. Chasseur tornade, 43 minutes. Objectif Mars, 1 heure déjà. Vache, j'aurais pas cru. Pour commencer, on a choisi l'attraction Sébastien Loeb. Creepy de ouf. Bon, on sort de Sébastien Loeb. Bon, c'était sympa, mais heureusement qu'on n'a pas attendu 20 minutes parce que c'est vraiment très très court, quoi. Donc, à faire. Ouais, il n'y a pas beaucoup de sensations. À faire que si vous n'avez pas beaucoup de temps d'attente, quoi. C'est quoi, comment ça s'appelle, ce truc? Dans les yeux de Thomas Pesquet. Dans les yeux de Thomas Pesquet, c'est parti. On va faire ça. J'espère qu'il va nous en mettre plein la vue. Après une vingtaine de minutes, la tête dans un monde infiniment grand, direction un monde bien plus petit. Vas-y, fais ton point, minimum. Oh, tu pèses pas lourd, hein, putain. C'est vert, ça. Vas-y.
Je suis 7 fois plus grosse que toi. Prochaine attraction, Objectif Mars. Avant de venir, on avait vu une vidéo de l'attraction, mais on s'aperçoit que c'est pas du tout comme dans la vidéo. Bah non, on pensait que ça tournait, mais... Ouais. Objectif Mars, c'est 50 minutes d'attente pour 3 minutes de fun. Ça fait mal, mais c'était quand même très chouette. Petit menu pour 14,50€, ça va, je trouve. Toi, t'as ton petit sandwich. On a repris des forces et on est parti faire celle récompensée pour être la meilleure attraction au monde de 2022, Chasseur de Tornades. On sort de l'attraction Chasseur de Tornades et franchement, c'était génial. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, là? C'était cool. C'était cool. Si vous avez trop chaud, comme là, parce qu'il fait un soleil de plomb, franchement, allez-y, hein, parce que vous prenez un vent d'air frais et l'humidité, c'était trop génial. Mais franchement, l'attraction, elle est géniale. Génial. Et voilà, on a fini le Futuroscope. Alors, ça va faire une fois, c'est sympa. Mais c'est quand même pas mal de temps d'attente aussi. Hein. Et là, direction La Rochelle, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment La Rochelle, si. Non, Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, et pas Saint-Supplice comme on s'était planté, pour la deuxième location, donc deuxième partie de ces vacances. On est arrivé à Saint-Sulpice, et là, on s'est arrêté en catastrophe parce qu'il est trop tard pour aller acheter à manger. On n'a plus rien à bouffer. Mais on a vu un distributeur de baguettes. Donc maintenant, on l'espère qu'il marche et qu'on va pouvoir acheter du pain pour manger. Ah, déjà, ça prend les pièces que t'as dit. Ça t'arrête. Waouh, c'est d'une violence. Oh la vache. Ah ouais. Alors. Eh bien, on a une baguette. On aura de quoi manger. C'est la baguette qui va nous sauver la soirée, ça. Après, on a des gâteaux, quoi. On n'est pas sans rien non plus. Mais... Ouais, on avait des madeleines. Ah, les gâteaux que je t'ai amenés, là. Ah, et des gâteaux bretons qu'on a bouffés sur la route, c'est vrai. Et voilà, après plusieurs heures de montage, on a fait que ça de toute la soirée. On a commencé à 21h. Il est 1h30 du matin. On a grave galéré. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, on a eu beaucoup de problèmes.